Et bonjour! Parmi tous les débats à la con qui reviennent dans ce pays, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement. Y a-t-il trop de communes en France? À 5 mois des élections municipales, c'est loin d'être une question anodine. Et à celle-ci, certains nous répondront que oui, il y en a trop, que ça nous coûte trop cher, qu'il est inutile de laisser perdurer des communes 50 habitants ou moins. D'autres, en revanche, estiment que ce nombre de communes constitue un atout essentiel pour faire vivre la démocratie locale et la vie citoyenne au quotidien. Et dans tout ça, qui a raison? Eh bien... Ah, j'en sais rien! Et personnellement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il y a trop de communes ou pas, mais pourquoi il y en a autant en France. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Bon alors, avant de dire qu'il y en a beaucoup, peut-être est-il nécessaire de rappeler combien il y en a aujourd'hui, le 26 octobre 2019. Eh bien, depuis le 1er mars 2019, la France compte 34 967 communes, et on touche là à l'un des arguments détonnants du fait qu'il y a trop de communes en France, à savoir qu'un pays comme l'Allemagne, qui est moins étendu, mais plus peuplé, en compte 3 fois moins. Et surtout, au niveau européen, la France représente 37% du nombre de communes dans l'Union européenne. Bon après, il faut toujours se méfier avec ce genre de comparaison un petit peu facile et foireuse. Déjà parce que tous les États membres de l'Union européenne ne partagent pas tous la même organisation territoriale, et surtout, les communes européennes, enfin les équivalentes européennes des communes françaises, ne disposent pas toutes du même degré d'autonomie, ni ne partagent les mêmes compétences. À ce propos, vous êtes-vous déjà demandé comment on établissait le nombre de communes en France? Eh bien depuis 1946, c'est l'INSEE qui le fait, en produisant ce que l'on appelle un code officiel géographique. C'est un document qui référence par un numéro, que l'on appelle le code INSEE, chaque subdivision du territoire national. Du coup, chaque commune française est référencée par un code INSEE, composé de 5 chiffres, et qui se découpe de la manière suivante. Les deux premiers constituent le code INSEE du département, et les 3 derniers représentent l'ordre alphabétique de la commune dans le département. Ce code est un outil très puissant, puisqu'il permet d'effectuer des études statistiques d'une grande précision, grâce à la codification très poussée du territoire. Le décompte de l'INSEE du nombre de communes en France se fait sur la base du territoire métropolitain et des 5 départements d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Dans ce décompte de l'INSEE du nombre de communes en France, on n'amalgame pas les communes des autres territoires d'outre-mer. Tout simplement parce que ceux-ci disposent d'un statut particulier au sein de la République française et donc d'une organisation communale adaptée à la réalité de leur territoire. De ce fait, on les compte à part. Ce foisonnement de communes est tout simplement un héritage de l'Ancien Régime et de la Révolution française. Du temps de l'Ancien Régime, les foyers de population dans les campagnes étaient organisés soit en paroisse, soit en communauté villageoise, soit les deux en même temps. Et pour les grandes villes, on rencontrait différents types d'organisations municipales. Dans le nord de la France, c'était surtout des communes dites jurées, tandis que dans le midi, on parlait de consulats. Et puis évidemment, il y avait bien quelques petits particularismes locaux par-ci par-là, mais on va pas les détailler ici. Du coup, vous le voyez, sous l'Ancien Régime, on rencontrait beaucoup de situations différentes. Et du coup, c'était un petit peu le bordel. C'est pourquoi, quand la Révolution française éclate en 1789, l'Assemblée nationale décide de remettre à plat l'organisation territoriale du royaume. À la place d'une organisation territoriale fondée sur les privilèges et les particularismes locaux, les députés de l'Assemblée nationale vont mettre en place une organisation territoriale fondée sur l'unicité et l'égalité devant la loi. Aussi, ils votent le 14 décembre 1789 un décret qui érige chaque ville, bourg, paroisse ou communauté en commune. Vous le voyez, la définition d'une commune était vraiment vue au sens très large. Aussi, ce 14 décembre 1789, entre 44 000 et 41 000 communes voient le jour. Le terme de commune, quant à lui, sera définitivement adopté par l'administration nationale à la suite d'un décret du 31 octobre 1793 voté par la Convention nationale. Du coup, 41 000 communes à minima, ça fait quand même un gros nombre de communes. C'est vrai ça! Mais il faut quand même prendre du recul car à l'époque, la France était très majoritairement rurale. Et les paysans français vivaient dans des villages peu peuplés et très dispersés. Et surtout, on est en pleine période révolutionnaire, c'est un peu la pagaille. Du coup, il y a plein de petites communes qui sont créées alors qu'elles ne sont absolument pas viables fiscalement parlant. En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État et il instaure le consulat, puis 5 ans plus tard, le Premier Empire. Et pendant ces années du Premier Empire, les autorités impériales vont procéder aux premières fusions autoritaires des petites communes, ramenant leur nombre en dessous des 40 000. Par contre, la restauration de la monarchie en 1814 va coïncider avec une première stabilisation du nombre de communes. La raison était simple, la royauté qui venait tout juste de revenir en France après 25 ans d'exil était essentiellement soutenue par les campagnes,
Aussi, il était inutile de les fâcher en procédant à des fusions arbitraires de petites communes. Il faut attendre le milieu du 19e siècle et le Second Empire pour voir les autorités centrales reprendre les fusions de communes, qui concerneront surtout les communes périphériques des grandes villes, comme Paris et Lyon, qui se développent beaucoup du fait de l'industrialisation et de l'exode rural des masses paysannes vers les usines des faubourgs des grandes villes. À la chute du Second Empire en 1870, la Troisième République est proclamée. Mais durant les premières années de ce nouveau régime, les républicains sont plutôt minoritaires. Aussi, ils vont chercher à ménager les campagnes qui sont encore plutôt royalistes, en promettant les libertés communales avec la loi municipale de 1884. Ils vont surtout remettre l'assentiment du maire au cœur des procédures de fusion de communes. Du coup, eh bien, le nombre de communes en France va à nouveau se stabiliser, ce qui fait qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France comptera autour de 38 000 communes. Et enfin, depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours, la France va passer de 38 111 communes en 1954 à 34 967 en 2019. Ça représente une baisse de 8% en 65 ans, soit la disparition de 3144 communes. Mais cette diminution ne s'est pas faite de manière linéaire, elle s'est faite surtout à la suite de deux vagues de fusion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien écoutez, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de lâcher un pouce bleu. Si vous voulez débattre de cette question, eh bien surtout n'hésitez pas à lâcher un commentaire, on les lit tous et on y répond. Et si vous voulez même poursuivre la discussion, on a aussi un Discord. Et enfin, si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, le meilleur moyen reste avant tout de s'abonner et de nous suivre sur Twitter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur WIP. Des gros bisous.